Il y a de la concentration, cette peur, on la transforme plutôt en concentration. Et à la limite, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive un petit peu à transformer des sensations en d'autres sensations, quoi. Tu vois, mais de la peur, non, non, il n'y a pas de peur. Il y a peut-être un petit peu d'angoisse, ouais, quelquefois. Mais ça c'est normal, hein, ça, un petit peu. Un petit peu justement ce qui va éviter d'avoir peur parce qu'on est allé trop loin. Vent d'ouest sur France Inter. Patrick Béraud, parce qu'avec beaucoup d'humilité, vous parlez de vos amis, parce que c'est aussi important, hein. Vous le dites, l'escalade de la montagne, c'est aussi une formidable aventure humaine. Vous avez un cercle d'amis depuis des dizaines d'années, hein. Oui, après avec lesquels je peux vivre certaines choses ou certaines autres. Mais c'est vrai que le compagnon ou les compagnons de cordée avec qui vous partez, c'est l'essentiel du plaisir. Je disais tout à l'heure que, enfin, à mon sens, et puis je pense au sens de beaucoup, hein, de toute façon, dans la vie en général, c'est la relation humaine qui nous touche le plus, qui nous intéresse le plus dans le fond et qui nous marque. Donc évidemment, le compagnon de cordée avec qui vous partez, c'est le plus important, c'est essentiel, c'est essentiel.
dents d'Hérens, dents blanches, une trilogie valaisanne. Quintino, c'est là. Où là, d'abord? On n'y voit rien. Voilà les divertissements des Alpes par mauvais temps. Bon, je vais vous laisser parce que je vais me faire engueuler. Attends Philippe! C'est clair que j'ai envie de terminer pour lui, parce que Patrick aimait les choses bien faites. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça me traîne dans la tête, c'est évident. De ses affaires, j'ai retrouvé une petite carte sur la définition du courage. Je me rappelle pas par cœur ce que, mais en fait ça parlait beaucoup de la ténacité et quand il avait décidé de faire quelque chose, fallait aller jusqu'au bout. Il m'a fait connaître une autre sorte d'alpinisme, son alpinisme à lui, son style, le style Abero. À chaque pas, à chaque mouvement, je pense à Patrick, c'est évident, parce que je me retrouve toujours dans des situations ou sur des sommets qu'on avait gravis ensemble. Donc je le pense, mais tous les jours. Il n'y a pas une journée où j'ai pas pensé à cet accident, où j'ai pas pensé à Patrick.